De retour sur le plateau de votre quotidien et week-end, c'est tous les jours, midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la Box SFR, et en live pour les internautes sur le Facebook de Éclair FM TV. Connectez-vous, likez, partagez la page, on vous parle un petit peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et aujourd'hui, vous connaissez mon amour pour le sport, je vais vous faire découvrir un nouveau sport. Peut-être que vous ne connaissez pas, Bungee Fitness. Oui, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour en parler, j'ai reçu un professionnel, il est avec moi sur le plateau de KNF. J'ai l'honneur de recevoir William Abbé Kanoufé. Comment ça y est là? Eh, t'as vu? Parce que, hey, on dirait pas comme ça, hein, mais c'est un frère qui sort de notre continent. Mais le gars, il se fond dans la masse, ça fait plaisir de te recevoir. Merci, merci. Alors, déjà, pour faire un petit topo sur toi, oui. Donc tu viens de Londres, si je me trompe pas. Oui, je viens de Londres, ça fait 5 ans que je suis en Guadeloupe. Ouais. Et je suis venu parce que, à la base, je devais même pas être dans le sport. Ouais. Je travaille dans la restauration. Ok. Et j'ai décidé de tout changer dans ma vie et je suis entré dans le sport. Ok, mais tu connaissais déjà ce sport, donc le Bungee Fitness? Non, je ne connaissais pas. Je voulais juste me différencier des coachs sportifs de Guadeloupe. Ouais. Donc j'ai fait mes recherches sur Internet et je suis tombé dessus. Je suis parti en métropole faire une formation de 3 jours. Normalement, la formation dure 3 semaines. Je l'ai dû la faire en 3 jours. Ok. Pour pouvoir venir en Guadeloupe et être prêt. Ok, 3 jours, Paul, hey, comme quoi? Ça a été intense. Hein, ouais. Mais comment tu as découvert le Bungee Fitness? Est-ce que c'est en cherchant sur le net et compagnie? Ou c'est beaucoup répandu? Et où c'est répandu? Et est-ce que c'est nouveau en Guadeloupe? 3 questions. C'est carrément nouveau en Guadeloupe. Ouais. Je crois être le seul en Guadeloupe à le faire. Okay. Je sais qu'il y a une personne qui le fait en Martinique. Ouais. Il y en a seulement, je crois qu'on est 250 coachs, instructeurs de Bungee dans le monde. Ok. Il y en a 10 sur Paris et le reste un peu éparpillé dans la France. Mon coach est de Lyon, donc ouais. Je suis allé à Lyon pour pouvoir me montrer. Et qu'est-ce qui t'a plu justement dans ce sport? Pourquoi juste, parce que c'est vrai, tu as dit que tu t'es renseigné un petit peu sur les coachs, sur les sports, et c'est vrai qu'on a énormément de coachs maintenant qui font tous, on va pas dire fitness, sinon Jérémy Peter va nous tomber dessus. Ouais, la marque est déposée, patati patata, mais qui aime bien le HIIT, le workout. Oui. Et est-ce que c'était pour te différencier justement? Pourquoi avoir choisi ce sport? Parce que moi, je fais du fitness. Attention, Jérémy nous regarde. Je fais du crossfit, ouais, du crossfit aussi. Ouais. Je fais du crossfit aussi, du HIIT et tout ça. Ouais. Mais je voulais vraiment faire un truc qu'on n'avait pas trouvé. Okay. Donc j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé plein d'autres choses, mais ça ne me parlait pas vraiment. Ouais. Donc j'ai essayé le Bungee et puis voilà. Quoi. Alors parce que tu m'as donné la définition en antenne, et c'est vrai que même moi je ne le savais pas. Bungee, ça vient d'où? Bungee, à la base, Bungee, ça veut dire élastique. Ouais. Et le Bungee Fitness, c'est un ensemble de sauts aériens qui permettent de travailler l'endurance, ouais. Le cardio, okay. Et le renforcement musculaire, tout en ayant moins les articulations qui vont faire mal, quoi, on va dire. Ouais, parce qu'on voit justement que c'est grâce à l'élastique, et c'est bien parce que c'est pas seulement l'élastique, il y a aussi un harnais. Mais est-ce que c'est comme ça pour tous les exercices, harnais plus élastique? Oui, parce que vous pourrez, on va voir dans d'autres vidéos, ouais. Qui peuvent voler carrément. Ouais. Il y a des parties où on peut voler, il y a des parties où on fait des squats, on fait différentes choses, quoi. Mais on s'amuse plus qu'on travaille. Exactement. Mais moi, j'ai une question à te demander, est-ce que ça fonctionne vraiment? Parce que j'ai l'impression qu'au final, l'élastique, est-ce qu'il prend pas la moitié de notre poids? Et au final, on est là en train de sauter, mais rien ne travaille. Vu que tu fais tes mouvements normaux, ouais. Ça travaille les muscles profonds. Donc, okay. Même si tu n'as pas l'impression de t'entraîner, dans 2-3 jours, tu auras les coups battus qui vont avec. Les muscles profonds, les amis, ça doit être les plus importants. Franchement, parce que c'est eux qui tiennent justement la stabilité du gainage et compagnie. Sans eux, sans les muscles profonds, pas de tenue, compagnie, pas de muscles. Comme William, les gars, on est paumé. Combien de temps dure un entraînement? 45 minutes à 1 heure. Et c'est sans pause ou il y a une pause? Non, à chaque... Parce que tu connais le HIIT, on ne fait pas trop de pause entre les exercices, c'est enchaînement, enchaînement, enchaînement. Non, là, je permets aux gens de faire des pauses, je les détache, ils boivent de l'eau. Ouais. On s'amuse, quoi. Il y a de la musique, on essaie de s'amuser. Il faut s'amuser avec le Bungee. Okay. Si on ne s'amuse pas, on ne fait rien. C'est excellent. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment très efficace pour les articulations. Après ça, on n'a plus mal aux genoux. Non. C'est bien parce que les personnes, on va dire, obèses, ouais. Peuvent l'utiliser. Parce que j'ai des élastiques qui vont jusqu'à 110 kg. Ouais.
Et voilà, même les personnes de 110 kilos peuvent s'entraîner avec ça, ils auront moins mal aux genoux, quoi. Mais c'est génial, on a l'impression qu'on voilà, on fait que s'amuser. D'ailleurs, ça se trouve à l'Assaillé, c'est avec la compagnie l'Assaillé. Je suis un indépendant. Tu es un indépendant. Je suis indépendant, mais ouais. J'utilise la salle l'Assaillé pour pouvoir travailler. Donc justement, on en profite pour saluer l'Assaillé. Dirk, si vous n'avez pas vu l'émission, replay, YouTube, éclair, il vous explique un petit peu là aussi, c'est assez sympa, hip-hop et cirque. Et là, en plus, il y a le Bungee Fitness. En gros, vous avez tout. Est-ce que ça, justement, pour commencer par exemple, ça, cet exercice... C'est Dirk qui est en train de faire du hip-hop dessus. Il s'entraîne à faire du hip-hop dessus. Et comme il a expliqué dans l'interview que vous avez eue, on va essayer de faire un partenariat avec les personnes du hip-hop pour pouvoir développer ça pour les JO communales. Ok. Parce que justement, tu vois l'exercice qu'il faisait, on tourne sur les mains comme ça en rond, c'est compliqué à faire. Est-ce que justement, on peut utiliser le Bungee Fitness pour commencer à s'entraîner au niveau, pour débuter l'exercice? On peut s'entraîner pour plein de sports. Exemple. Le saut en hauteur, le 110 mètres air, les athlètes, ils peuvent l'utiliser. Le hip-hop, là on va essayer de le faire avec le hip-hop aussi. Le 110 mètres, j'ai bugué sur ça. Parce que quand vous courez, parce que là on vous retient avec l'élastique. Ouais. L'élastique, si ça dépend du poids que vous faites. Okay. Donc l'élastique te retient. Okay. Et là, dans le bungee, tu peux sauter. Donc tu apprends bien, bien tes positions et tout ce que tu dois faire, quoi. Ok, waouh. On a vu à l'image, bien entendu, il y avait une jeune femme, mais je suppose que c'est ouvert un petit peu à tout le monde. Oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Moi, je fais. Homme, femme, enfant. Moi, mon fils de 4 ans, je fais. Donc, j'allais te poser la question justement, à partir de quel âge on peut venir s'entraîner? Mon fils de 4 ans le fait, donc tout le monde peut venir. Jusqu'à quel âge environ? Ça dépendra de vous. Jusqu'à 77 ans, jusqu'à 90 ans. Ça dépend des gens. Voilà, mon fils de 4 ans qui le fait. Donc, voilà quoi. C'est excellent. Je pense que vous êtes comme moi, vous êtes en train de regarder, vous imaginez avec l'élastique. À la fin de l'émission, vous connaissez le principe. On va vous donner toutes les informations. Mais c'est super ça aussi pour les pompes, quand tu ne sais pas faire de pompe. Ben, pour débuter, ça aussi, c'est un super entraînement. Tu utilises le bungee pour faire tout ce que tu fais. Et est-ce pour faire du saut, pas du saut élastique, puisque bon, forcément il y a ça, mais du parachutisme. Est-ce que, parce que je vois qu'il y a une position qui est en mode gainage, est-ce que là aussi on peut venir s'entraîner avec toi ? Oui, j'en ai. Je vais tout montrer à ceux qui viendront s'entraîner. Ouais. Parce qu'il y a la planche carrément qu'on peut faire pour bien gainer le corps. Ouais. On peut faire la planche sur le ventre et sur le dos. Donc il y a plusieurs attaches. Okay. Donc vous pouvez gainer. Et comment est-ce que tu règles l'élastique? Parce que j'ai l'impression que, voilà, on n'a pas tous la même morphologie, la même force, mais est-ce qu'il y a une façon de régler l'élastique? Oui, pour moi, je ne sais pas, mais l'élastique, ça ne se règle pas. Il y a une corde, okay. Parce qu'il y a le système de l'assaillé qui me permet de régler. On doit monter sur un escabeau. Ouais. Après, vous êtes sur la pointe des pieds, j'attache tout le truc. Et dès que vous descendez, vous pouvez faire tous les mouvements que vous... Là, par exemple, comment s'appelle cet exercice déjà? Là, c'est les fentes, ce sont les fentes, ça. Ça, mais les fentes, logiquement, il paraît qu'on doit en faire à peu près 15 à 20 répétitions. Lorsqu'on a l'élastique, on en fait combien à peu près? Là, on peut en faire jusqu'à... Jusqu'à 50-60. Voilà, exactement. Bon, maintenant, la question que tout le monde veut savoir, c'est en combien de temps on peut perdre la graisse? C'est bien gentil. On veut bien s'amuser, mais nous, on veut le summer body. On veut perdre la graisse. Ça dépendra du nombre d'entraînements que vous faites. Ça dépendra de la motivation de chaque personne. Ok. On ne va pas seulement s'entraîner, on va aussi faire l'alimentation qui va avec. D'accord. Pour avoir le... Ah, tu travailles aussi sur l'alimentation? Oui, je suis coach sportif, j'ai mon diplôme en nutrition, en fitness, donc voilà quoi. Ben, ça tombe bien, tu vas nous donner un petit conseil nutritionnel. Ah bah. Comment bien manger? Encore une fois, je vous ai dit, on va avoir le summer buddy, là c'est parti, là on commence à s'entraîner. Mmh. Est-ce que tu peux nous donner quelques conseils nutritionnels? Un petit menu. Qu'est-ce qu'il nous faut, par exemple, au petit déjeuner, au déjeuner? Mais au petit déjeuner et au dîner. Des céréales, beaucoup de fruits. Ouais. Manger du pain et des œufs. Hey. Et un jus de fruits. Super. Ça suffit déjà pour le petit déjeuner. D'accord. Et après, il faut toujours prendre un encas à 10h, à peu près. On pourrait prendre une salade de fruits avec des yaourts encore. Est-ce qu'on peut prendre du pain avec de la pâte à tartiner? Oui, on peut. C'est vrai? Oui, c'est pas interdit. D'accord. C'est pas du tout interdit. Ceux qui disent à. Ouais, c'est du sucre et tout. Manger correctement.
Okay. Mangez souvent, entraînez-vous correctement, ça va venir. D'accord. Mais la plupart du temps, les gens, ils pensent que le summer body, il vient en 9 mois. Non. Non. C'est 3 mois minimum. 3 mois minimum. Vous avez entendu quand je vous ai dit que ça commence dès maintenant. C'est 3 mois minimum. Okay. Donc, on commence à s'entraîner maintenant pour avoir les fruits en été. Les fruits. Et pour avoir les fruits en été, il faut manger des fruits. À midi, qu'est-ce que tu nous conseilles Moi, je recommande du poisson. Ouais. Du poisson, beaucoup de brocolis, du riz. Ouais. Ok. Tu peux manger même des pâtes. D'accord, ouais, sucre problème. Lent. Ouais. Sucre lent, pas de problème. Ok. On dit de ne pas assaisonner. Moi, j'assaisonne tous mes trucs. Je mange correctement. Moi, je mange des bouquets demain. Je vais aller m'entraîner. Ouais, mais lui, il a une bonne morphologie. Moi, je mange des bouquets demain. Tu verras. Il me faudra au moins 6 mois pour avoir le summer body. Okay, d'accord. Et est-ce qu'on peut grignoter vers les 16 heures si on a pris grignoter, c'est pas grignoter. Ouais, mais tu connais notre grignoter. Si tu as vu notre grignoter ici. Notre grignoter, c'est un genre de repas, quoi. Ça dépend. Qu'est-ce qu'on peut prendre, par exemple, à 16 heures? À 16 heures, la plupart du temps, ce sont des fruits qu'on mange. Des fruits encore? Des fruits, ouais. Encore. Mais justement, mais tu sais quoi? J'ai un pote qui me demandait, qui me dit, ouais, tu sais, à 16h, 18h, je travaille beaucoup. Et donc, moi, ce qu'il me faut, c'est grignoter en plus du sucré. Donc, pâte à tartiner, mais lui, c'est beaucoup. Tu vois, oui, il amuse. Il faut... Comment remplacer dans sa tête l'envie de pâte à tartiner ou de confiture par des fruits? Vous voyez la pomme, par exemple. Ouais. La pomme, dès que tu manges la pomme, normalement, ça te cale. Ouais, la c'est pomme vrai, ça. Cale facilement. Donc, tu prends une pomme, ta pomme à côté de toi, ta bouteille d'eau. Ouais. Vas-y. Il y a un autre fruit qui cale. La banane. Ouais, la c'est lourd, ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre une salade de fruits. Ouais. Faire une salade de fruits, j'ai ça de côté. Et voilà, je mange ça. Et tranquille. Et vous entendez, les fruits, trouvez, faites switcher votre esprit. Vous dites non, pas de pain ou de trucs bien gras, des fruits, bananes, pommes, c'est vrai que ça vous cale. Ce que je fais actuellement sur mon Instagram, j'essaie de donner les fruits, guadeloupéens, donner les fonctions, les caractéristiques. Donc j'ai changé mon Instagram, j'ai commencé à faire d'accord. ça. Et sur mon Instagram aussi, il y a des exercices que je donne chaque jour. Et vous pouvez aller dessus. Tu peux nous donner des exemples de fruits, justement, et par rapport aux exercices, peut-être pour la récupération, peut-être pour l'effort. Dès que vous avez des courbatures, prenez du citron avec du gingembre. Ouais. Vous buvez ça, vous faites un petit thé avec, et ouais. puis voilà, ça sera bon pour les courbatures, ça sera très bon. Ok, vous avez vu, c'est... Notez tout ça, c'est excellent. Et le soir, justement, apparemment, il ne faut pas manger après 21h. Ça, c'est, oui. Il ne faut rien du tout, même pas un fruit, ou on peut manger les un fruit. Fruits, on peut manger les fruits, tout fruits. Est permis. Avec les fruits, non, tout est les fruits, tout est permis. Vous pouvez manger les fruits, mais ça dépend aussi des personnes. Il y a des personnes qui ne veulent pas manger, par exemple, des oranges après ouais. telle heure parce qu'ils ont des problèmes gastriques, tout ça. Exact. Et le soir, on peut manger quoi? C'est laitue, salade Non. Sinon, manger correctement. C'est vrai, on peut manger correctement. Si je veux manger des bananes avec un gros poisson, je peux. La banane, ça dépend de ce que tu fais avec ta banane. Ça dépend de ce que tu fais avec ta banane. Si tu vois, banane ou même des madères ou du riz et du poisson. Oui, est-ce que ça je peux? Ça ouais, c'est je bon. Peux. Ça, c'est bon. Mais il ne faut pas après 21h. Pas après 21h. Donc, en gros, vous pouvez manger normalement. Mais n'abusez pas. Voilà. Est-ce qu'il faut peser? Les gens aiment bien peser leur repas. J'aime. Est-ce que moi, tu conseilles de peser? Moi, je ne pèse pas le repas. Sérieusement, je ne pèse pas mon repas. Ouais. Je mange. Tant que j'ai faim, je mange. Ouais, mais lui, on sent que c'est un Golgothe. Lui, toi, je sens que tu manges au moins 6 fois par jour. Pour histoire de nourrir les muscles. Ouais, j'essaie. Il faut aller faire Koh-Lanta, mon frère. Non. C'est trop pour moi, ça. En tout cas, n'oubliez pas, ce qu'il faut, c'est des fruits, des légumes. Essayez de switcher dans votre tête pour, vous savez, le petit encas, on aime bien. Banane, ça cale énormément. Les pommes, ça cale énormément. Et puis, pour le reste, il y a le Bungee Fitness. Bien. Alors, ça se passe quand ou comment? Est-ce qu'il y a un seul entraînement par semaine ou c'est pour le moment, j'ai pu caler des horaires le samedi à 17h à la Saillée. Ouais. Et en espérant que ça puisse engranger plein de vues, on va essayer de mettre plus d'heures. Ouais, mais je sens que là, tu vas attirer... C'est surtout les femmes, j'ai l'impression. Parce que les hommes, ils sont très muscus, tu sais. Là, ils vont venir, mais tu vois, il n'y a que les gens de hip-hop ou les gymnastes qui vont venir. Mais les gars, ils sont en mode... Déjà, ils ont du mal avec... Ils vont venir, ils vont essayer. Ils vont avoir mal, ils vont repartir. C'est ça. Ils vont comprendre que ça fait aussi on mal. On a de grosses courbatures après.
quand même. Ouais. Quand c'est la première fois Moi, pendant les 3 jours d'entraînement, j'ai eu des courbatures tous les jours pendant une semaine. C'est vrai? Oui. Alors qu'on a l'impression qu'on s'amuse plus qu'autre chose. Donc comme quoi, c'est vraiment efficace. Mais c'est vrai que ce genre d'exercice, c'est hyper efficace pour le gainage. Le gainage des muscles profonds. Avant de travailler les abdos, il faut travailler les muscles profonds. Exactement. Alors, tu nous as parlé du citron et du gingembre. Mmh. Justement, on a des courbatures après le bungee fitness. Est-ce que tu as d'autres solutions pour calmer, apaiser nos courbatures? Manger quoi? Moi, je dis manger, buvez beaucoup d'eau. Ouais. Il faut... Les sportifs, les grands sportifs, ils prennent 5 litres d'eau par jour. 5 litres d'eau? Mais si vous arrivez déjà à boire 2 litres par jour, c'est déjà pas mal. Combien de litres vous buvez? Réagissez sur les réseaux sociaux. Combien de litres d'eau vous buvez par jour? Mais 5 litres? Frère, je reste sur les WC tous les jours. Excellent. En tout cas, Wafa Wellness, on adore. C'est tous les samedis à 17h. On peut venir en famille, oui, on peut venir en ami. Faites passer le mot, c'est un nouveau style de sport. Ça va vraiment vous aider. En plus, ça va vous soigner. Au niveau des articulations, c'est vrai que c'est super pratique. Au niveau du gainage, c'est pratique. Et puis, vous allez vous amuser comme des petits fous. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, on cherche plus à s'amuser que dans le sport, que de faire du sport en soi. C'est-à-dire que faire du sport pur et dur, au bout d'un moment, ça fatigue. Est-ce que tu ressens ce genre de retour? Parce que je fais, comme je donne des cours à côté, je donne des cours de crossfit et tout ça, les gens, ils sont fatigués d'avoir mal tout le temps et de recommencer la muscu tout le temps. Et le bungee, ça... Tu peux t'amuser en volant et faire du sport en même temps, travailler tout ton corps. Donc, allez-y, venez et vous verrez. C'est ça. Toutes celles et ceux qui en ont marre justement de faire les mêmes exercices, répétitions à chaque fois et qui s'ennuient un petit peu, ben changez, amusez-vous. Est-ce que tu penses innover encore dans le monde du sport? Est-ce que tu as d'autres projets? Je sais qu'il y a le trampoline. Je ne sais pas si on en fait ici du sport avec des montées de genoux sur les mini-trampolines. J'ai le trampoline. J'ai plein d'autres choses dans mon arc et on verra... Il va revenir. T'as dit qu'il verra passer sur le plateau. En tout cas, maintenant, c'est l'heure donc de donner tes adresses sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es connecté Facebook, Instagram, un numéro de téléphone, mon WhatsApp? Dis-nous tout. De toute façon, tu connais le principe. Oui. Ça va s'afficher juste ici. C'est parti. Mon Instagram, c'est Wafa Wellness. Mon Facebook, c'est Wafa Wellness aussi. Mon numéro de téléphone, c'est 06 90 06 48 26. Alors n'hésitez pas, franchement, si vous avez des problèmes de dos, des problèmes d'articulation, vous pouvez tester, mais vous souhaitez faire le sport. Encore une fois, vous allez vous dépenser comme jamais. Ça va vous affiner, vous affûter. N'hésitez pas vraiment à contacter Wafa Wellness. Et comme ici, dès qu'on ne comprend pas un nom, on ne le retient pas. Pourquoi Wafa Wellness? Wafa Wellness, c'est l'association de tous mes prénoms et noms de famille. Ouais. C'est William Alexandre Philippe Abbé que j'ai dû découper et créer ça, quoi. Avec wellness, qui veut dire, bien entendu, bien-être. Bien-être. Vous allez aussi parler l'anglais, parce qu'on est entouré d'îles qui parlent que l'anglais. En tout cas, ça fait un réel plaisir de te recevoir. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à la Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, à la Réunion, à Haïti, à Dominique. Moi, j'ai pas fini. Jamaïque, Barbade. C'est pas donc que tu réfléchis. Saint-Martin, bien sûr, la Dominique, j'ai déjà dit. The VI, Virgin Island, Saint-Vincent, Grenada. Tout ça, tu peux me le dire en anglais si tu veux. Tu viens de London, ta caméra est juste là. Vas-y. What I would want to say is, come and try the bungee fitness because it's really good and something different in this island. So please come and do it. Ce qui veut dire, c'est venez tester un nouveau sport. C'est totalement différent de tout ce que vous avez déjà fait et pratiqué. Donc venez, contactez-le, c'est tous les samedis à 17h à Jarry. Là, ça y est, on salue, on te big up parce que franchement, tu nous as fait découvrir quelque chose de nouveau. Personnellement, je ne connaissais pas et je vous jure, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester, mais je vais, au bout de 2 sauts comme ça, tu vas me voir faire des saltos et compagnie. Mais c'est le but, hein? Ouais. C'est le but. Mais je te jure, nos champions de gymnastique, ils devraient venir s'entraîner avec toi. Qui viennent. Et ouais, qui viennent. Venez, tous ceux qui font du hip-hop et qui ont peur de faire des saltos, vous savez, sur le béton, commencez par ça, vous verrez, c'est un super bon entraînement. En tout cas, on salue le modèle. On salue Dider, regardez-moi Dider, voilà, je viens de faire ça. Aïe, 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 là, ça y est. Merci à toi, et puis dès que tu as une nouveauté, tu repasses sur le plateau. Pas de problème. Nous, on se retrouve, bien entendu, demain avec de nouveaux invités. Bien sûr, le temps pour moi de remercier mon partenaire Abaster qui m'habille, et oui, qui m'a donné cette petite chemise en mode veste aujourd'hui. J'ai nommé l'écran. Nous, on se retrouve toujours sur la chaîne numéro 23 de votre satellite. Demain, à la même heure, midi, 18h, 23h. À demain.